partout où vous êtes. Shalom. C'est votre frère Philippe Batombo. Je viens de l'Angola. Je vis en Angola, à Luanda. Sto irmão Philippe Batombo, João. Sou cidadão angolano, vivo em Luanda. Para graças a Deus, eu estou aqui hoje. Para graça de Deus, eu sou en fait ici à Paris pour parler de la part du Seigneur. Si je suis venu ici, en fait, bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas juste pour parler des noms. Mais je suis là uniquement pour parler d'un homme, d'un nom. Le nom merveilleux qui m'a été accordé de la part du Seigneur, c'est le nom de Yeshua Amashi. L'heure a sonné et l'heure est arrivée. Partout où vous êtes, partout où on est bien-aimé, je veux juste te dire quelque chose, que l'heure a sonné. L'heure de l'église a sonné. L'heure du réveil a sonné. Pas le réveil qu'on avait parlé, mais le vrai réveil. Retour à la parole divine. Retour à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé retour à la parole de Dieu. Il y a beaucoup des enseignements qui ont parlé à propos de ça. Je pense que ce mot, cette phrase où tout le monde est en train aujourd'hui, retour à la parole de Dieu, mais eux-mêmes n'arrivent pas et ne comprennent rien ce qu'ils ont de dire. Retour à la parole de Dieu. Je pense très bien que les Angolais aujourd'hui, il y a tout le monde. L'autre fois, m'avait suivi quand j'étais ici. À chaque fois que je vais à Paris, je ne manque pas passer ici, à télévision de vie, TV de vie. Pourquoi? Pour parler de la part du Seigneur, que Yeshua est aujourd'hui en Angola. Il est aussi, il aime les Angolais et il est en Angola. Je ne suis pas venu ici pour élever le pays angolais, non, mais je suis venu ici pour élever Yeshua. Pour dire au monde, pour dire au peuple de Dieu que l'heure est arrivée. Et que la parole est en train de marcher. La parole est en train de marcher et jusque cette parole aujourd'hui se retrouve en Angola, à Luanda. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi, s'il vous plaît, ne quittez pas votre ordinateur, ne quittez pas votre poste radio, ne quittez pas votre télévision, mais prêtez-moi 20 minutes à 15 minutes qu'on puisse partager ces versets bibliques de la part du Seigneur. S'il vous plaît, on peut prendre le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 5. La parole me dit ceci, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Encore, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean. Nous allons juste lire la parole. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Il nous a dit ceci. Nous allons commencer à partir verset 1er jusqu'à 5e verset. Merci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Je dis bien 1 Jean chapitre 3 verset 1er jusqu'au 3e verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous tenons, enfants de Dieu, ce que nous serons, n'a pas encore été
manifestée. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a tellement la séduction énorme. Il y a tellement les œuvres de l'ennemi qui sont dans nos églises, dans nos assemblées. Jésus-Christ est venu pour les détruire. Détruire les œuvres du diable. Jésus n'était pas venu pour caresser les œuvres du diable. Jésus n'était pas venu pour l'encourager, mais les détruire. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, mais aujourd'hui, dans nos églises, la séduction est autorisée. Les œuvres du diable, c'est autorisé. Les enfants de Dieu aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, il a entendu de séduire les autres. Je suis venu ici pour dire aux enfants de Dieu que l'heure est arrivée. Quelle heure qui est arrivée? Et pourquoi je suis ici? Et pourquoi je peux ce verset pour dire, partager aux enfants de Dieu? Il y a tellement la confusion, on n'arrive pas à discerner, on n'arrive pas à comprendre qui séduit les autres, qui sont les œuvres du diable. Dans nos ensembles aujourd'hui, on a des papes. Dans nos ensembles aujourd'hui, on a tellement, tellement de papes, de pasteurs, le soi-disant, moi je l'appelle le soi-disant homme de Dieu. Parce que ce sont les couragés. Parce qu'il y a beaucoup de frères aujourd'hui. Il suffit qu'il semble chanter, il dit Alléluia, Amen, Yesu, Azali, Awa. C'est fini, comment son église? On l'appelle archibishop, on l'appelle pasteur, on l'appelle ceci. Et c'est fini, ce pasteur commence à dire n'importe quoi. Pareil, bien-aimé, regardez aujourd'hui nos assemblées. Il y a la mort totale. Il y a la mort totale. Nous-mêmes qui prêchons soi-disant, tu es un homme de Dieu. Regarde à côté de toi, tu es un secrétaire qui doit t'apporter la Bible. Ça, c'est les œuvres du diable. Dans votre église, le pasteur, il est assis devant vous, sur le trône. Ce sont les œuvres du diable. Galates 6:6. Non, à part quand le pasteur prêche, il termine à prêcher la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse donner les Galates 6:6. Il vous disait, venez bénir l'homme de Dieu. Si tu ne bénis pas, tu ne seras pas béni. Ce sont ces paniers-là qui se trouvent dans votre église. Quand l'homme de Dieu prêche, vous devez s'aimer. Ça, c'est les œuvres du diable. Vous devez détruire ces œuvres-là. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, aux églises, regardez l'habillement qui se passe dans nos églises. Regardez comment nos sœurs et frères s'habillent. Et la façon laquelle leur comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission de Jésus était de venir détruire les œuvres du diable afin que nous deux, nous puissions être sauvés. Jésus n'était pas venu pour caresser les gens. La parole de Jésus est dure. La parole de Jésus n'était pas là pour dire aux hommes et aux femmes. Bien-aimé, je toi qui hoje falando muito bem, que todos irmãos e irmãos, et que hoje, essa boa palavra, que vem hoje, para te falar claramente, prepara, porque brevemente, o Jesus Cristo está bem. Daqui a pouco, e daqui falta um pouquinho. E o Filho do Homem está à porta.
En fait, aujourd'hui, c'est que ce qui m'étonne et que je suis dans l'étonnement, je ne sais pas comprendre. Est-ce que si on regarde ta façon de vivre, ta façon de marcher, ton comportement par rapport à la Sainte Bible, par rapport à la parole de Dieu, on peut juger que tu es un enfant de Dieu? Les œuvres du diable, tellement, il y a tellement des autels dans nos églises, les autels de Baal dans nos assemblées. L'homme de Dieu, il est là. Moi, je n'ai jamais connu la femme des souverains sacrificateurs. Je ne connais aucun. Mais partout aux églises, si l'homme un pasteur, il est là, il est à côté de son mari, de sa femme, devant la chair. Mais on appelle ce lieu saint. Est-ce ce lieu saint dans les tabernacles? Aucun sacrificateur entré avec sa femme là-bas. Aucun. Mais aujourd'hui. Et bien aimé, les œuvres de l'ennemi est dans les églises. Aujourd'hui, cette parole est arrivée en Angola. On entre en train de la vérité aux enfants de Dieu. Et que la délivrance, on ne paye pas la délivrance. Payer l'argent pour que tu parles de délivrance, c'est diabolique. Ce sont les œuvres du diable. Nous les détruisons ça au nom de Yeshua. Et jamais une personne n'a bien aimé. Quand on te dit, je dois faire la délivrance. Avant que je fasse la délivrance, tu entres 3 jours à sec. Et avant que quand tu vas sortir, tu dois préparer 100 euros, 100 dollars, 200 dollars, 400 dollars. Pour que tu sois délivré. Ce chose que je parle, ça se passe chez nous. En Angola aujourd'hui, il y a soi-disant des pasteurs qui ont de vendre de l'eau. Du bidon d'eau, un bidon, ça coûte 10 dollars. Que tu sois délivré, viens acheter ce bidon. Bien-aimé, je ne sais pas. Tu fais sortir ton argent avec la souffrance, avec les prières que Dieu t'a accordé, cet argent de souffrance, et tu achètes de l'eau. Cette eau que tu as de boire autour de but. Tu sais alors ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Et ils te vendent cette eau pour faire quoi? Ce sont les œuvres du diable. Ce n'est pas l'eau qui guérit. Ce n'est pas l'eau qui délivre une personne. Ce n'est pas l'eau. Ni l'huile. L'huile ne délivre pas personne. Mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui libère, qui délivre, qui donne la vie. Si une église, tu fréquentes une église quelconque, partout où vous êtes, et un homme de Dieu te dit, viens, je vais te délivrer, tu dis, tu es un menteur. Tu lui réponds clairement, l'homme qui délivre, l'homme qui bénit, l'homme qui fait tout, c'est Yeshua HaMashiach. Je profite à cette occasion pour demander aux enfants de Dieu, laissez et abandonnez nos mauvaises habitudes. Il y a tellement le désespoir, il y a tellement le désordre, il y a tellement la mort. Il y a tellement de mauvais enseignements qui est dans l'église. On nous a appris que pour que tu sois béni, pour que tu puisses aller de l'avant, il faut apporter la dîme. On nous a appris pour que tu sois béni, bien-aimé. Écoute-moi, soyons un peu sérieux. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai mes enfants. Pour que mon fils hérite mon héritage, il faut qu'il m'offre quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, je suis marié et si j'ai 4 ou 5 parcelles, pour que mon fils soit héritier de mes biens, pour que mon fils mange, pour que mon fils étudie, il faut qu'il paye quelque chose. Bien-aimés, soyons un peu sérieux. Soyons un peu logiques. Je pense que dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 1 jusqu'à 5, c'est là que Moïse avait commencé la loi. Mais, qu'est-ce qu'on dit Hébreux chapitre 10? Hébreux 10, 1 jusqu'à 5. Qu'est-ce que la parole nous dit? Je dis ceci. La dîme, les offrandes, chaque séminaire que tu fais dans ton église, dans votre église, pourquoi on distribue toujours des enveloppes? Quel est l'objectif de cette enveloppe-là? C'est juste pour t'encourager que de faire n'importe quoi, pour les amener d'argent. Mais juste bien-aimé, il t'amènera à l'enfer. C'est de ton propre argent que tu es en train de donner, c'est juste pour t'amener à l'enfer. Cet argent que tu offres, que j'ai envie de les offrir, ce n'est pas pour que tu puisses avoir béni, jamais. Regardez beaucoup de gens. Ou des hommes les plus riches aujourd'hui sont des païens, sont les occultistes. Ils ont beaucoup d'argent.
Et qu'est-ce qu'ils ont offert à l'Éternel? Non. Bien-aimé, prêche la bonne, la parole de vie. Nous devons quitter de telles assemblées. Quitte cette assemblée. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple. Ton corps est l'église. Le véritable, ce n'est pas ce temple de construire. Non, l'église, c'est ton corps. Et pourquoi cette escroquerie aujourd'hui, et tout le monde est d'accord, parce que tu es superstar, parce que tu es devenu comme ça. Bien aimé, si tu vas voir tes pasteurs et devenir superstar, c'est un danger public. C'est un danger public. L'homme qui doit être élevé, l'homme ou laquelle on doit présenter, l'homme ou laquelle on doit élever, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Si votre église, que tu vois que votre pasteur en dehors de chanter, il y a le gospel qui est là-bas, juste pour louer le nom de votre pasteur, pour adorer, avant que tu témoignes, tu dois témoigner le Dieu de mon père spirituel, le Dieu de mon pasteur. Bien-aimé, arrête ces choses. Arrêtons-nous ces choses, s'il vous plaît. Arrêtons-nous. Mais comment expliquer tu dis que le Dieu de mon père, ton père qui est mon père spirituel, bien-aimé, la spiritualité, est-ce qu'on arrive à comprendre? Tu connais ton esprit toi-même? Qui a déjà vu son esprit? Qui a vu son esprit pour dire que c'est mon père spirituel? Écoutez, ça ne dit pas que je suis en train de nier l'exemple des hommes de Dieu, non plus. Mais nous voulons juste la vérité. L'homme de Dieu, on doit le respecter comme un être humain. Mais l'homme de Dieu n'est pas un Dieu. Il n'est pas un Dieu. C'est le canal, c'est le moyen que Dieu utilise. Nous ne pouvons pas accepter ces choses pareilles comme ça. Arrêtons ces choses. Et chaque fois, aujourd'hui, on voit beaucoup nous assembler. Maman pasteur, il est là. Arrêtons d'aller chez votre pasteur faire le travail. Ce n'est pas biblique. Détruisons les œuvres du diable. Nous, Jésus-Christ est venu pour le détruire. Vous savez pourquoi vous êtes liés? Nous souffrons beaucoup. Il y a la souffrance énorme. Regardez la dîme ou laquelle tu la portes et ces offrandes de l'action de grâce que vous amenez. Ils offrent à leurs petits, à leurs copines. Ils sont là. Ils ont combien? Et partout ils passent. Ce sont les œuvres de l'ennemi. Avec ton propre argent, il achète des griffes, il achète tout l'argent, il vient avec nous. Je suis un grand patron. Je n'ai pas envie de partir vous tous. Bien-aimé, les telles églises comme ça, je suis désolé. Or, je t'ai dit que tous pauvres, ils manquent comme ils manquent. Ce type de pratique, ces églises, non, ils m'égrègent. Est-ce que c'est un mal? Non, mais je me teste ces églises. A palavra de Deus vem. Para o quê? Só para falar uma pessoa, se prepara. Única palavra que Deus nos confiar em Luanda, que nós estamos a pregar em Luanda, só nos falamos dos povos de Deus para se preparar. Brevemente, Jesus Cristo está a caminho. Ninguém pode seguir o pastor. Bem, não, significa que não pode dar respeito ao pastor. Não é isto. Não, mas pastor não é Deus. O pastor não é Deus, não. Mas hoje, estamos a ver os comportamentos deles, a maneira para viver. Bien aimé, ça c'est l'amour. Quand tu réalises et quand tu penses, quand je vois ces choses et quand je marche. À des fois, tu marches, tu vois le pasteur, avant qu'il descende sa voiture, on doit l'ouvrir la porte. C'est l'idolâtrie. Moi, je suis un frère, toi tu es un frère. Quand on vient à l'église, on vient chercher l'éternel Dieu. On ne veut pas faire pour montrer qui que tu sois. Personne est élevé dans l'assemblée. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth qu'on doit dire aux enfants de Dieu. Par exemple, vous pouvez croire que je suis venu ici, il y a quelqu'un qui m'a donné l'argent pour passer pour de ces choses, pour que je puisse défendre quelqu'un. Je ne défends personne. Je défends que le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je ne suis pas venu ici. Je viens de l'Angola. J'habite en Angola. J'irai d'Angola. Mais cette parole que je prêche mon autre assemblée aussi. Je dis ces choses. Ce n'est pas normal. Ça fait un bon temps que l'église de Dieu, que le diable a enfermé. Que ça fait un bon temps que l'église de Dieu est emprisonnée par l'ennemi, par les antichrists. Et leur message seulement que tu seras béni, tu seras délivré, que tu es des sorciers. Mais bien aimé, je ne sais pas, quelle est cette église-là qu'on doit enseigner du 1er au 30, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, que vous êtes des démons. Les démons, les sorciers. Moi, je n'ai jamais fait cette église, cette assemblée comme ça.
Qui t'a dit ces choses? Bien-aimé, si tu remarques qu'il y a un démon, tu le chasses au nom de Jésus. Tu dis, libère mon corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, il n'y a plus la condamnation pour ce qu'ils ont crié au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as crié au Seigneur Jésus, si tu donnes ton cœur à Jésus, tu te sépares du péché. Si tu es possédé aujourd'hui parce que tu ne sépares pas avec le péché. Si jusqu'aujourd'hui les démons dominent sur ton corps, si jusqu'aujourd'hui le sorcier te domine parce que jusqu'aujourd'hui, tu vis dans le monde. Tu peux me dire que non, moi je marche sur l'église, tu pars à l'église, regarde ton habillement. Et comment? Regarde ton habillement. Regarde, tu as tous des ennemis, partout tu as des ennemis. Non, je suis le fils de la fille du pasteur, tu es la fille du pasteur, tu es le fils du pasteur. Regarde tes copains que tu fréquentes. Tu fréquentes qui? Et du premier au 30, tu fréquentes qui? Tu as prêché qui? Bien-aimé, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Le diable connaît que son heure est arrivée. Je ne peux pas te dire, et moi je dis souvent ceci, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Quand on dit c'est la fin du monde, moi je ne crois pas. Moi je dis ceci, on est arrivé à la fin du temps de l'Église. C'est la fin de l'existence de l'Église. Que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu, bientôt seront enlevés. L'enlèvement va se faire très bientôt. Je ne crois pas que l'an 50 passera parce que toute la prophétie doit s'accomplir. Aujourd'hui, nous vivons une époque plus que Sodome et Gomorre. Tout est permis sauf rien. Tout. Regardez les églises. Soit disons des pasteurs, soit des bien-aimés. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Le pasteur, il a 3 femmes. Il a 2 femmes. Il a entendu dire que c'est un véritable escroc. S'il a, en fait, je connais un pasteur. S'il n'a pas l'argent pour payer le loyer, il appelle son ami. S'il vous plaît, mon frère. En fait, j'ai besoin d'abord payer mon loyer, je n'ai pas l'argent. Est-ce que je peux vous donner un séminaire, je puisse le péché? Dis-moi, c'est pasteur. Quand il va passer là-bas, qu'est-ce qu'il veut dire? Il va te dire quoi? Toi, tu es béni. Toi, tu es riche. C'est un escroc. Et de tels pasteurs comme ça, vous l'acclamez. Oui, tu es un enfant de Dieu. Non, il n'est pas de Dieu, c'est un envoyé du diable pour toi. Toi, tu cherches le diable. Mais le pasteur qui te prêche, c'est un envoyé du diable. Il connaît très bien que toi, tu ne marches pas dans la sanctification. Il connaît très bien que toi, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'escroquerie. Tu prends beaucoup l'alcool. Il connaît très bien, il connaît pas. Mais il te dit, toi, tu es l'homme le béni. Tu es le plus béni de la terre. Tu as vomi une forte étoile. Qui t'a dit que l'étoile? Les astrologues, les pasteurs astrologues. Toujours, toi, une forte étoile là-bas. De telles prophéties, et tu dis amen, tu fais sortir ton argent, te donne. C'est ça, là, cet argent que tu portes, tu offres au diable. Le diable, il prend cet argent, il ferme ça. Et après 5 ans, non, depuis que je suis venu dans cette église, je donne mon argent, il n'y a rien qui marche. Tu penses que tu es de l'église? Tu offres ton argent sur le diable. Il y a des pratiques diaboliques qui ne sont pas dans nos assemblées. Et tel pasteur, quand il vient à l'église, il va faire quoi? Il n'a rien à faire. Il cherche, son objectif, c'est l'argent pour payer le loyer. C'est fini. Il n'a pas un message pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Il n'aura rien. Et de tels pasteurs que vous acclamez, que vous aimez, c'est ça. Bien-aimés, soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Soyez prudents, prudents, s'il vous plaît. L'heure de l'église a sonné. Et l'Éternel est en train de susciter tous les 4 coins du monde les enfants de Dieu pour dire la vérité, pour dénoncer les œuvres et pour détruire les œuvres du diable. Moi et toi, nous devons détruire tous les œuvres du diable parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le roi de l'Éternel, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons détruire ça pour t'avoir détruit, dénonce ça et sépare avec l'ennemi. Tu dois te séparer avec eux. Tu encourages de tels hommes comme ça. Tu sens avec eux, tu connais très bien, tu sais très bien que ma copine, mon copain, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup. Ils sont de la pratique diabolique, ils sont des sorciers, ils sont des magies. Et tu le ferais droit de fréquenter avec les marabouts là pour me dire, qu'est-ce que moi j'ai? Est-ce que j'ai une étoile là? J'ai quoi? Quelle étoile tu cherches? Quelle étoile tu cherches? Tu fais quoi? Sépare-toi avec l'ennemi. Sépare-toi avec le péché. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'ivrognerie. C'est par toi.
C'est fini. Bien-aimé, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre que Dieu te touche, que Dieu puisse opérer de grandes choses, c'est par toi l'ennemi. Si você quer hoje que vive o poder de Deus na tua vida, se você queria testemunhar o poder de Deus na tua vida, bem amado, anda uma vida maravilhosa. Jesus Cristo é um Deus maravilhoso que eu nunca vi na minha vida. É a forma que tu me vê. Se hoje estou aqui, está andando, graças a Deus. Esse Deus me tocou muito longe, até hoje. Eu não estou aqui para dar palavra para conseguir o dinheiro, duvido. Se tu quer o dinheiro, se tu quer a vida, trabalha. Não é a vida, não é a palavra de Deus que você está vendo todos os dias, que chega na igreja, pediu dinheiro, e se o dinheiro que estás a pedir, não tem objetivo, não tem nada. Isso não é uma igreja. Esse tipo de igreja eu nunca vi. Eu não estou a acreditar. É isto o tipo dos crentes. Se você continua essa tua vida, bem amados, a tua caminha é diretamente no nome de Satanás. Faz tudo por tudo. Faz tudo, irmãos e irmãs. Que Jesus Cristo é um Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso que você tanto. É a forma aonde que ele me tocou. A maneira que ele está me conduzir. Bem amados, je ne suis pas sorti do hasard. Je suis un enfant très. J'étais un enfant trop orgueilleux. Très pauvre. Mais Jésus-Christ m'a ramassé. Il m'a pris par sa main droite. Je travaille. Et avec mon travail, il m'a appelé aussi. Il m'a appelé pour dire la vérité à l'église. En fait, en allant dans Angola, on me demande, tu es pasteur, je ne suis pas pasteur. Tu es qui? Je suis un frère. Je suis une voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas quelqu'un, mais je suis qu'un frère, mais une voix qui crie pour dire ma mission que Dieu m'a donnée juste pour dire au peuple de Dieu, préparez-vous à la rencontre de l'époux. Et nous devons détruire toutes les œuvres du diable. L'ennemi est en train d'envahir, l'ennemi est là. Mais toi, tu ne comprends pas. De pratique à l'église, avant que tu entres dans l'église, premièrement, avant que tu parles de délivrance, premièrement, tu dois te coiffer d'abord. Je n'ai jamais vu dans la Bible, avant que tu passes de délivrance, on doit te coiffer. Jésus-Christ, qui est notre maître, il avait coiffé qui? Avant que ce soit une personne à délivrer. Et tes cheveux là, qu'on te coiffe, ça part où? Ah, moi, je connais une église comme ça. Et je connais cet homme-là. Il fait des pratiques diaboliques. C'est un sorcier magicien. Il prend avec des bougies comme ça. Bien aimé, ce sont des pratiques diaboliques. Moi, de telles églises comme ça, je suis prêt à vous dire la vérité. Quitte cette église. Alors que tu m'attends, s'il vous plaît, là où tu es, ferme-toi dans la chambre. Agenouille-toi. Élève tes deux mains en l'air. Invoque Jésus-Christ de Nazareth. Qui que tu sois, invoque Jésus. Quelle que soit ta croyance, invoque seulement Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es Dieu, viens me visiter cette nuit. Si tu es Dieu, viens me visiter cette nuit. Tu vas le témoigner bientôt. Si tu invoques Jésus comme ça, bien-aimé, trois fois, tu l'invoques, viens, tu vas le voir. Pas même trois, même une fois, même 10 secondes, tu vas le voir. Il va descendre avec toute sa puissance. Il va détruire tous les œuvres du diable de votre maison et dans ta vie. Prendre de l'alcool, ce sont les œuvres du diable. Jésus-Christ vient détruire ça. En Angola, on vit le merveille du Dieu vivant. Il y a de la puissance des dieux, il y a des musulmans qui se répandent, qui viennent à Jésus chaque jour. Tout le jour, il vient à Jésus. Il y prie le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu capable, le Dieu véritable. Il en a reçu beaucoup de musulmans. Il vient nombreux. Ils se répandent, ils donnent leur cœur à Jésus. Il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucun ensemble que moi je peux te dire. Seulement Yeshua, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Je n'ai aucun enseignement à t'envoyer, mais moi je te dis ceci. Prends la Sainte Bible et prends Jésus. Marche de la sanctification.
marchons dans la sainteté, marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous témoignerons. C'est au bienfait. C'est Jésus qui m'a pris. Aujourd'hui, je suis ici. Aujourd'hui, je suis là-bas. Pourquoi? Pour parler de la part du Seigneur. Et j'avais promis que partout je serai, je témoignerai le nom de Jésus. Partout j'irai. Je dois dire, donc partout dans les radios, partout les quatre coins du monde entier, je dois témoigner le nom de Jésus. Je dois dire au monde de se préparer que le Fils de l'homme est à la porte. Et il arrive bientôt. Et descend et sortant de telles assemblées qui ne dit pas, qui ne passent pas la parole de Dieu, ils sont toujours dans l'étude du diable, des démons, des pratiques occultes qui se font de l'église, qui sont devenus l'huile, que tu es malade, il faut qu'on te oint dessus ta tête. C'est bien aimé, arrêtons un peu ça. Arrêtons ces pratiques. On est là, je suis vraiment content. Et je suis demande au peuple de Dieu de se préparer davantage, de se préparer et que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée, soyez prêts. Préparons-nous. Préparons-nous à l'encontre du Fils de l'homme. Nous t'aimons Jésus. Tu dis invoquer Jésus avant de prier Jésus. Le peuple angolais, tous les pauvres angolanos, que Dieu abençoe l'Angola, que Dieu aide ce pauvre. Et ce pays, il est sempre à frente. Et le pouvoir du Spirit Saint de Dieu va descendre ce pauvre. Pour que tous les pastores, américains, brasileiros, os nigerianos, os congolês, todos estavam correndo para Angola. O que? Só dinheiro. Mas não quero falar acerca da salvação das almas. Eles, bem amado, sabem que Angola vende mesmo cinto. E está vendendo um cinto. Diz que essa cinto é para semanal, está que dá $20, $30. E se você tem 10 filhos, tem que comprar para todos os filhos. E quanto entra lá no caixa? Esse dinheiro anda onde? Eles não construíram uma escola não? Hospital não? Não construíram nada. Mas manda nos pais deles, namora e só e se casa à toa. Isto são as obras de Satanás. São as obras de Satanás e Jesus Cristo vem por destruir tudo isso. Soyez prudent. Ne donnez pas votre oreille à n'importe qui. Mais confiez-vous à Jésus et que le Saint-Esprit ouvre les yeux. Je vous aime beaucoup. Centre évangélique Chandelier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse France. Merci beaucoup.